Septième jour. La nuit a été calme. Ouh, super. Pavel a cherché des provisions et a ramené les choses intéressantes. Bah oui, c'est moi qui suis sorti. Et je rentre. Pavel, je pourrais venir avec toi la prochaine fois. Nine ne pourra pas venir. On va discuter un peu avec elle. Et on va voir ce qu'on peut crafter de nouveau. Ça, j'en ai déjà, j'avais dit. Non. Est-ce que je peux améliorer? Toujours pas, hein. Putain, il m'en manque encore deux. Ok. Et est-ce qu'on peut améliorer l'atelier, là? Ah, il m'en manque 18. Ok. Bon, bah, ça va être une journée où on va pas faire grand-chose. On va quand même retourner ici. Qu'est-ce qu'il raconte de beau aux deux là? Ah, il joue à Shifumi, lol. On va pas faire de lit pour l'instant. Distillateur. Je peux même pas en créer un non plus. La balançoire, on verra plus tard. Pour moi, c'est pas indispensable pour le moment. Bon, bah, Pavel, il va aller faire dodo. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Ishkra? Des gens sont venus cette nuit, ça c'était la nuit dernière. Et le papa, qu'est-ce qu'il raconte? Beaucoup de gens de notre quartier se sont retranchés dans leur cave par prudence. Nous nous sentions tous en sécurité, même si la vie était plus difficile. J'ai entendu que des gens étaient morts coincés dans leur cave, mais j'en ai pas parlé à Ishkra, je ne veux pas lui faire peur. T'as bien raison, en tant que père, hein. Et Pavel, il a besoin de repos, et il est en train de jouer. Nous devons faire en sorte d'avoir assez de nourriture pour tout le monde. Bien dit, il va falloir qu'il aille dormir. Alors on va aller voir ce qu'il y a au niveau de la flotte là, s'il y a des choses à récupérer. Et Pavel va faire dodo. Et toi, va jouer un petit peu pour l'instant. Ah merde, j'ai oublié, il faut que je fasse... Je sais plus comment ça s'appelle ça, ce truc là. Attends, je regarde si j'ai assez de flotte, bon pour l'instant j'en ai 5. On va juste voir vite fait. Ouais, il manque pas grand chose pour améliorer le... améliorer l'atelier. Pas comme atelier simple, voilà, c'est ça que je voulais dire. Déconsommable, un filtre, voilà, c'est ça que je voulais faire. Bon, on va le garder pour l'instant. Alors, on m'a appris un truc dans les commentaires. C'est qu'en fait, on pouvait enseigner. D'ailleurs, je remercie cette personne, je connais plus ton nom, excuse-moi. Mais on peut enseigner à Ishkra les mêmes choses que nous, mais il faut juste lui faire enseigner. Alors attendez, on m'a dit de venir ici. Dans l'atelier par exemple. On va, je vais juste voir. Hein. Heureusement que cette personne l'a précisé dans les commentaires. D'accord, j'ai compris. On peut faire enseigner. Donc là c'est pas... Est-ce que c'est le père qui doit intervenir sur l'atelier? Enfin le père ou un adulte? Non. Non, ça fonctionne pas. Alors pour l'instant elle va se créer son petit ballon, c'est pas grave, au moins elle aura un petit ballon. Elle pourra jouer avec. Tant pis, on recherchera des matériaux. Bah le ballon, je sais pas, moi tu vas le mettre à côté de la corde à sauter, voilà. Comme on est souvent ici en train de crafter, au moins tu seras pas loin de nous quoi. Alors attends, enseigner. Par exemple je sélectionne ça, d'accord, j'ai compris. Je sélectionne ça et j'enseigne ça à ma fille. On va tester. Ça peut me coûter la survie, mais on va tester. On va faire ça avec un filtre. Enseigner. Ishkra, viens me voir. Je vais t'apprendre quelque chose. Ah, c'est terrible. Ah, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Donc là, je lui montre. Eh, franchement, cette petite feature, c'est vraiment bien. Parce qu'au début, je me demandais si la fille pouvait apprendre, par exemple, à faire à manger. Donc oui, on peut lui apprendre. Et c'est plutôt bien, quoi. Donc là, je lui apprends à faire un filtre. Et elle ira placer comme une grande... dans le réservoir là pour récupérer de l'eau. Oh, j'arrive monsieur, 2 secondes. Voilà, là, je lui dis qu'on peut peut-être m'aider à fabriquer. J'arrive monsieur. Elle a appris un truc, elle est toute contente. Et là toi tu vas là-haut. Allez, on va discuter un peu avec lui. Bonjour, je n'ai pas toute la journée. Bah écoute, j'ai le droit d'apprendre quelque chose à ma fille, hein. D'accord. Alors qu'est-ce que je veux? Pour l'instant, des médocs on en a, bandage on en a, du poulet ça serait... Non, pas du poulet, je voulais des carottes en fait.
Ah ouais, ça me plairait pas mal. Ça me plairait pas mal. J'en voudrais un petit peu, s'il te plaît. On va voir contre quoi je pourrais te troquer. Un diamant, par exemple, est-ce que tu prends les diamants? Vous plaisantez, il va m'en falloir plus. D'accord. Du sucre. Pas assez, revoyez votre offre. Là, je vais en avoir besoin. Un bon livre. Ça t'intéresse, un bon livre? Non, toujours pas. Un peu d'herbe. Du tabac. Ok, attends, 2 secondes. Là, je vois que t'as dit direct ouais. Non, ok, donc je te remets le diamant. Et je retire du sucre. Non? Oh bah putain. T'es compliqué en affaires. Bon, bah, on va faire comme ça. Marché conclu. Allez, salut. On s'en verra plus tard. Escaline. Si j'apprenais à mon serveur, je pourrais aider les autres. Oh putain, même ça, faut t'apprendre. D'accord. Ok, bon, attends. Non, je voulais améliorer. 2 secondes. Je voulais l'améliorer, ce serait mieux. Voilà. Améliore l'atelier. Et après, je t'apprendrai, je crois, à t'en servir. Allez, aux voitures. Je me demande si Pavel voudrait bien être mon ami. Pavel, tu veux bien lui montrer comment ça fonctionne, ce truc-là? Le mec, il vient de se réveiller. Le taquet, il court. Tu lui montres? Voilà, comme ça pourra nous aider. Ishkra, viens me voir, je vais t'apprendre quelque chose. Voilà. Donc, on a amélioré l'atelier et là je voulais faire ça. Une pièce pour petits animaux sera fabriquée. Bon, pour l'instant j'ai pas ce qu'il me faut, il me faut de l'engrenage. Ça s'appelle comme ça, les pièces, pardon. Avec ça, on peut faire quoi les plantes déjà? Il s'agit d'une table sobrement équipée où il est possible de confectionner des médicaments et de base de plantes, des bandages, des cigarettes roulées, mauvaise qualité à base de plantes. Nous pouvons améliorer pour faire de vos médicaments. Ça peut me servir pour faire des médicaments. Ah! Ça aussi, ça peut me servir. Une petite barricade. Combien? Attends, est-ce que ça me prend. Est-ce que j'ai la possibilité de faire les deux? Oh oui, j'ai la possibilité de faire les deux. On va faire la table pour fabriquer médicaments. Qu'on va placer. Est-ce qu'on peut la placer dans. Non, on peut pas la placer. Ici peut-être. Voilà. Je crois que la journée, du coup, là, comme j'ai plein de choses à faire, va se terminer assez rapidement, tu vas voir. Alors Ishkra, tu veux savoir comment ça marche? Tu remues du popotin. Non, je déconne. C'est vraiment sympa cette petite feature. Et après, on va essayer de crafter une barricade histoire de protéger un peu la maison contre le froid. Parce que là, pour l'instant, il fait toujours 19 degrés. Mais quand l'hiver va arriver, on va moins rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire vite fait? Il me faudrait une bouteille, des composants et de l'herbe, on en a. D'accord, et ça nous permet de fabriquer des pansements, bandages. Allez, bien vite fait, ici, on va fabriquer barricade. Ah merde, elle a pas terminé du coup de faire son ballon. Un fabrique barricade. Je sais pas où il va le mettre. Il faut pas oublier de remplacer les filtres régulièrement, hein. Sinon ils s'usent rapidement et après l'eau elle est plus potable. D'accord? Voilà, t'as vu comment ça fonctionnait? Maintenant que je sais faire, je m'en occuperai à ta place. Ah merci, ça fait plaisir. Va terminer ton ballon là. Il met une barricade ici. Et je crois que je peux plus rien faire, il me semble. Et là, il y a le père qui fabrique. Enfin, le père, c'est moi. Voilà, petite barricade, ça peut servir. Bon, bah, pour l'instant, on va rien faire de particulier. Voilà, je pense que la journée va se terminer ici. Elle va terminer de faire son petit ballon. On va récupérer de la flotte. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu joues au ballon? Allez, joue à la balle. Moi, j'aimerais bien quelque chose. Bah, tu vas attendre un peu, Pavel. Ah, je crois qu'elle allait faire des jongles et tout, du freestyle. D'accord, elle joue contre le mur. Ok. Père déterminé, d'accord. Hop, j'avais oublié que j'avais fait une balançoire déjà. Bon, voilà, la journée se termine.
Pavel va sortir et récolter quelques matériaux. Alors, je dors à côté d'un enfant. On va peut-être monter la garde, Christo. Je sens pas bien là cette nuit. Christo va monter la garde. Pavel va partir le collecter. Et Ishkra va dormir dans un lit. Et on va partir. Là, je l'ai déjà visité. Quelques matériaux, beaucoup d'armes. Beaucoup de nourriture, beaucoup de médicaments, l'avant-poste militaire, quantité énorme d'armes, quantité énorme de pièces, mais échange possible, il y a du danger. D'accord? Quantité énorme de nourriture, énorme d'armes, énorme de pièces, maison mitoyenne, elle est à moitié en ruine, mais des gens vivent dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants, la nuit on peut entendre des tirs en provenance de l'endroit. Nous pourrions certainement fouiller la partie abandonnée. Ouais, c'est risqué pour l'instant. Beaucoup de pièces, beaucoup de médicaments, beaucoup de nourriture. Ah, c'est la maison des personnes âgées, supermarché. Quelques matériaux, il reste plus grand chose, je crois, là-dedans. Elle a été pillée à 67%. Bon, on va retourner. Il y a quoi l'aéroport? Attends, l'aéroport. Beaucoup de nourriture, beaucoup d'énorme quantité énorme de matériaux, quelques médicaments, beaucoup de pièces. On va retourner dans la station service pour l'instant. Faut que je récupère des matériaux. Faut que je sécurise tout ça et pour l'instant je peux pas prendre de risques. Je sais que vous avez envie que je prenne des risques, mais le but de l'aventure c'est d'aller jusqu'à la fin. Donc pour l'instant je vais pas prendre de risques, on va la jouer safe. Donc c'est Pavel qui part collecter. Il va se préparer. Je sais plus. Merde, je me rappelle plus de cette maison. Est-ce que j'avais besoin d'un pied? On va prendre un... On va prendre l'appel. Pelle ou pied de biche? Non, je crois que j'avais ouvert les trucs. Hein. Bon, on va prendre la pelle. Et on part collecter. Voilà, on y est. Juste récupérer tout ce qu'il y a pratiquement, là on va terminer de piller cette maison. Super, bon on remarque que ça pourra me servir peut-être après. Hop. Et ça le problème c'est que comme je joue pas le même genre, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans la maison. Ah voilà, ben voilà, je suis pas venu pour rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose là-haut? Je me souviens plus. Non, on avait tout pris là-haut. Ok. On va descendre au sous-sol. Ouais, super, du bois. Voilà, au moins on aura pillé la maison comme il faut. Ah putain. Fallait que je passe de l'autre côté. Non, non, mais fais le tour. Est-ce que je peux descendre ici? Non, c'est ça. Fais le tour par là. Reviens ici, Pavel. Et voilà, on descend ici. C'est possible? Normalement, oui. Ok. Ah putain, il me faut une scie à métaux. C'est ça qu'il me faut ici. Ça, ça pourra me servir. On va laisser du bois. On va laisser ça. On verra ce qu'il y a après. Donc ça, on va en avoir besoin. Et ça aussi. Y'a quoi dans le frigo? Une scie à métaux, il faut que je fasse. Oh, du poulet carotte. Du sucre. On va laisser pour l'instant... On va prendre les carottes. Du poulet aussi, on va laisser la plante. Prendre du poulet. Bon voilà, je pense que ça devrait être bon. Est-ce que la... Ouais, la tomate, ça va me permettre de... Avec le piège, de récupérer de la bouffe. On va la garder. Allez, la sortie sera courte. Rentre à la maison. On rentre à la maison. C'est ça déjà? Non, mais non, c'est pas ça. Pour aller vers la sortie. Voilà, c'était ça. J'allais faire une connerie, là. On reviendra plus tard. Si à métaux. Faudra que je me mette des petits post-it. J'espère que... La nuit s'est bien passée. Toujours cette angoisse qu'il s'est passé quelque chose de grave.
Genre 8. Bonjour, regardez un peu tout ça. J'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. Et alors donc... Ah putain, nous avons été pillés. Il y avait Christo qui a peut-être réussi à défendre mais a dû se blesser. Quelqu'un essaie de nous voler, c'était un groupe dur à cuire mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Aucun d'entre nous n'était blessé. Ah cool. Heureusement que Christo a monté la garde. On s'est fait attaquer pendant ton absence. Ouais, désolé ma petite. On va discuter un petit peu toi et moi. Merde, je peux. C'est de l'engrenage qu'il me faut, je peux toujours pas créer ça. D'accord. On va faire une autre barricade pour l'instant. Je vais discuter avec elle et après on va se faire à manger. On va lire la bio de chacun. Si seulement je pouvais, les cristaux, elle a l'air d'avoir tellement faim. Carrément? Ça lui a rien fait cette nuit, elle est en train de dormir en fait, elle a rien capté. Ah, Christo l'a très faim. Mon histoire. Beaucoup de gens de notre quartier se sont retranchés dans leur cave. On l'a déjà lu. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train d'errer. Viens là, viens là, viens là. On va faire à manger. Il a besoin de repos. Ah, bah oui, tout le monde a besoin de repos en fait. On va enseigner à... Ah, je crois. Est-ce que les soldats vont s'en aller un jour? Ishkra a l'air occupé, d'accord. Va te reposer pour l'instant, Christo. Va récupérer l'eau qui est là-haut, normalement il doit en avoir. Donc là, c'est en train de parler d'état de la guerre. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? On l'espère, bien sûr. Le plus tôt possible. Vraiment gentil ce Pavel. Pavel, tu vas vite fait enseigner à Ishkra comment on fait un bon petit repas. Celui-ci, voilà. Voilà. Vous venez toujours quand j'apprends quelque chose à la petite Ishkra. Arrêtez un peu. Et papa il dort. Ils ont pas l'air commode ces deux. Je sais pas pourquoi je. Sauf c'est eux qui sont venus m'attaquer là cette nuit. Et là ils viennent juste voir qui est à l'intérieur quoi. Alors. Oui, après on rajoute un peu de viande, un zeste de citron, un peu de sel. Tu fais mijoter ça pendant quelques minutes. Faut bien laver les fruits hein, bien sûr. Et les légumes. Bon, les fruits, pour faire des gâteaux, si tu veux les faire cuire. T'as faim? Ah, elle a pas très bien dormi, la petite. Allez, mange un petit truc. Pavel, il va aller voir ce qui se passe à l'entrée. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a senti l'odeur de la bouffe. J'ai senti l'odeur de la bouffe, la Christo, là. Allez, Pavel. Montre l'air terrible. Oh boy. Ne me tourne pas le dos, je vous en prie. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, c'est encore nous. Nous avons décidé de renforcer notre refuge... improvisé dans la cave car l'armée a intensifié le bombardement dans notre zone. Nous avons tout ce qu'il faut mais des bras supplémentaires seraient les bienvenus. Vous pourriez peut-être nous aider. Une seconde. Deux secondes. Je vais voir qui c'est. Ishkra, tu la fermes? Là, ça m'agace les gosses là. Désolé monsieur, je reviens. Arrête d'aller voir les inconnus là, on sait pas qui c'est. Il va manger le père là et ah, j'aurais bien envoyé Pavel. Pavel, va faire une petite sieste. Va faire un peu de corde à sauter, je crains. Là. Non, non, je rigole, va chercher la flotte là-haut. Elle a encore faim. Bon, écoute, ma fille, tu vas chercher la flotte là et puis. D'accord, ça arrive automatiquement, je m'en souvenais plus. Ouais, va dessiner un petit peu là où va. Je vais aller discuter avec ces messieurs. Faites preuve d'humanité par pitié. Le truc c'est que je veux bien vous aider mais est-ce que vous venez me filer un coup de main? C'est ça le truc. Il n'y a jamais de retour.
Bon, allez, j'y vais. Je préviens même pas ma fille et tout. Papa! Papa! T'es parti où? Elle a mal dormi en plus. Tu restes avec Pavel, ma fille, va dormir. J'ai pas même pas prévenu Pavel, rien du tout. C'est nimp. Nos voisins ont toujours été gentils avec nous, je me réjouis que nous ayons décidé de les aider. D'accord, bon au moins il y en a un qui est content. Qu'est-ce qu'a dit la petite? Rien. Allez, je crache, fais un petit dodo là. T'as pas envie de dormir? T'as mal dormi mais t'as pas envie de dormir. Bah écoute, qu'est-ce que tu pourrais nous pondre toi comme l'atelier il est amélioré? D'accord, donc maintenant tu peux faire ça, ok, ça on l'a compris. Et ici tu pouvais faire quoi? Je me souviens plus. Ah, je sais pas t'en servir. D'accord. Pas de soucis. En tout cas, t'as suffisamment mangé. Ça fait plaisir, pardon. Et allez, un petit peu de balançoire. Il dort encore, Pavel. Mais Pavel, il va rester là cette nuit. Il va rester là. Bon, je crois que... j'ai plus rien à faire. Tout le monde va rester là cette nuit. Allez. On va écouter un peu ses petits rires. Plaisir d'avoir un enfant qui rit pendant la guerre. C'est bête mais c'est plaisir. La nuit tombe et tout le monde reste à la maison. Pavel monte la garde et Ishkra va dormir dans un lit. On va rester ce soir. On va rester. Je peux pas laisser la petite toute seule.